Aujourd'hui, nous voulons faire parler de notre ville, donc on voulait afficher clairement le nom de Saint-Jean-de-Luz sur toutes nos communications et bien sûr Don Ibáñez Luisón avec sa traduction en basque. Il fallait vraiment afficher le nom de la ville pour pouvoir communiquer. Pendant des années, c'est vrai que c'était la mode des petits logos, des petits emblèmes, si on peut dire. C'est un logo qui avait été travaillé il y a déjà 5 ou 6 ans. C'était le logo, entre autres, de la structure Saint-Jean-de-Luz Animation Commerce. Et donc, on a souhaité, avec l'équipe municipale, l'uniformiser rapidement, puisqu'aujourd'hui, comme on le sait, les commerces ont eu des moments très durs et on a voulu afficher un peu la marque de Saint-Jean-de-Luz. C'était faire connaître la ville, faire parler d'elle et surtout faire venir du monde. D'afficher clairement son nom aujourd'hui, après la crise que nous avons connue, pour favoriser la destination de Saint-Jean-de-Luz.